Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA by Coins. En plus, avec le code Robert87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo première, c'est fini, je commence un nouveau club sur FIFA Foot 15. En tout cas, ça va freiner. L'émission que je souhaite mettre en place, ou en tout cas la vidéo, va s'appeler Achat-revente, la quotidienne. Et donc, tous les jours, je vais essayer de vous proposer une partie d'achat-revente. Et au moins une fois par semaine, il y aura du sport in real life, hein, comme on dit, IRL. Donc, où là, on va parler un peu plus de sport en général. En plus, je veux faire une partie un peu à paris sportif pour pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne et si vous en faites pour éviter de perdre de l'argent dessus. Voilà, il y a plein de choses qui vont venir se rajouter et se greffer à la chaîne. Je vais pas arrêter complètement, je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Mais bon, là voilà, on est déjà à 113 000 crédits. La série, c'est vraiment se lancer. Et là, on va dire qu'avec 110 000 crédits, voilà, je vous ai montré toutes les techniques pour pouvoir commencer. Et maintenant, on va pouvoir commencer à se lancer vraiment dans de l'achat-revente de façon plus générale et essayer de voir les techniques qui fonctionnent le mieux. Pour moi, c'est important de faire, je débute un nouveau club sur FIFA Foot pour relancer la machine, pour vous montrer, parce que ce qui avait été fait avant dans la première partie de la série, malheureusement, ne correspondait plus en adéquation avec le poste fourchette de prix. De plus, avant, j'avais deux comptes, l'autre compte ayant été banni, malheureusement, il ne m'en reste plus qu'un, et donc je pouvais faire la séparation et faire les grosses vidéos d'achat-revente avec les deux. Là, malheureusement, c'est plus trop le cas, donc voilà. Je vais vous mettre tout ça sur Facebook, tout ça sur Twitter, pour vous expliquer le programme qui sera mis en place. Mais en gros, il y aura tous les soirs une vidéo qui s'appellera Achat-revente la quotidienne. Et derrière, on va parler d'achat-revente. Il y aura au moins une fois par semaine une petite émission d'une demi-heure à peu près, sûrement en live, sur vraiment le sport. Mais en général, il n'y aura pas que du foot, il y aura tous les sports. Pareil, une émission qui sera également sur les paris sportifs à peu près d'une demi-heure, une fois par semaine, sauf si vraiment il y a des gros coups à faire. Et donc là, je vous en donnerai peut-être un peu plus, mais la moyenne sera à peu près d'une vidéo par semaine. Et derrière, il va y avoir des lives et il va y avoir aussi un peu de matchs, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Même si ce n'est pas les séries, en tout cas, qui sont le plus regardées sur ma chaîne, j'essaierai de vous proposer des lives. Et il va y avoir la partie défi aussi qui va venir, où là, chaque semaine, je défierai un d'entre vous. Alors évidemment, je suis sur PC, donc c'est toujours limitant, malheureusement. Mais bon, et ça ne sera pas forcément qu'à FIFA 15. Si on peut essayer de se défier à d'autres jeux, il n'y a pas de problème. Lancez-moi les défis dans les commentaires et je verrai si je les accepte ou pas. Ça peut très bien être sur Hearthstone, ça peut être sur du GTA, ça peut être sur du Dragon Ball Xenoverse. Là, le dernier, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je viens juste de l'acheter, donc n'hésitez pas à me lancer des défis. Et en tout cas, ça arrivera sur la chaîne derrière. Il faudra accepter juste d'être filmé. De plus, les lives, je vais proposer à chaque fois à 2-3 personnes d'être en live avec moi en même temps. Comme ça, on pourra partager directement en live et ça le rendra forcément plus attractif pour ceux qui l'écoutent et même pour moi. Bon, allez, on se lance dans cette première vidéo d'achat-revente. Donc, les joueurs qui sont intéressants dans cette tour de la semaine, hein, qui vient de sortir, je sais pas si vous l'avez regardé. Ah ben, elle n'est pas là encore. C'est pas celle-là. Elle n'est pas encore sortie. Mais en tout cas, les joueurs qui font partie de la tour, il y a Fellaini, Shaqiri, Boateng, Bale. Qui c'est qu'il y a d'autres dans les joueurs intéressants, on a Dzeko aussi, pareil, avec une carte à 85. Boateng, c'est une carte à 88. Bale, c'est une carte à 88. Shaqiri, une carte à 82. Qui c'est qu'on a d'autres en défense? On a Char aussi, le défenseur suisse, qui va avoir une carte à 77. Très intéressant, hein, Char, là, à avoir dedans. Et donc, dans les joueurs qu'il faut cibler, je pense, hein, si vous n'avez pas beaucoup de crédit, Shaqiri, faut vraiment très intéressant. Son prix est en train de monter un peu là. Et donc, vous allez pouvoir essayer de faire un peu de tech bourrin dessus et pouvoir le trouver à des prix qui sont plutôt sympas. Vous voyez, 2003. En 2 secondes, vous en trouvez, et pourtant ça fait déjà 3 minutes qu'il était en vente et son prix est à 3 000. Et en sachant que là, bon, évidemment, il est AD au lieu de être MD, mais bon, c'est plutôt intéressant. Et c'est une carte Bayern, elle se valent à peu près, hein, les cartes Bayern ou Inter Milan. Et derrière, c'est un joueur voilà qu'on va pouvoir remettre très facilement à 3002 ou à 3003. Hop.
Hop là, 3002, 3003, voilà, vraiment très intéressant. L'autre joueur, voilà, des petits budgets, c'est ce qu'on parlait hier, hein, Fellaini, son prix a bien augmenté, donc c'est plutôt intéressant aussi. Et on va pouvoir le trouver en enchère. Vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. Là, on en trouve un à 1003, donc vraiment super intéressant. C'est 2003, c'est les gens, ils vont pas avoir fait attention que son prix a augmenté, donc vous allez pouvoir les trouver vraiment à des prix défiant toute concurrence, quasiment le double. Hein. C'est un joueur voilà, qui va être à 2000, mais je vais même le mettre un tout petit peu plus cher parce que son prix va continuer à augmenter au moment où il va être dans la taux et jusqu'à, je pense, jusqu'à la fin de semaine. Donc je vais le mettre à 2007, il va se vendre vraiment sans aucune difficulté. Ensuite, j'espère que l'effet taux va pouvoir permettre que vous vendiez vos joueurs comme Gareth Bale par exemple. Donc c'est 441 000, j'espère que ça va faire avoir un petit impact. Malheureusement là pour le moment ça ne l'est pas, mais j'espère qu'au fur et à mesure de la semaine, bah, le côté attractif va permettre que vous vendiez ce joueur de façon beaucoup plus importante. Ensuite il y a Boateng, je pense, voilà, pour les plus gros crédits, les plus gros budgets, il va être plutôt intéressant. Vous voyez, on peut le trouver, je pense, à des prix assez intéressants, à 10 500 là. Pareil, hein, tout ce qui est sa carte à 86 aussi, je pense qu'il va falloir faire de l'achat-revente dessus et vous allez pouvoir essayer de gagner pas mal de crédits dessus. Donc Boateng, on va dire que c'est pour ceux qui sont en milieu de crédit comme ça, Boateng est plutôt intéressant. Et pour les petits crédits, on va dire Shaqiri, Fellaini sont vraiment très intéressants aussi. Char, hein, il faut pas l'oublier non plus. Alors évidemment, je sais jamais comment ça s'écrit exactement. Mais bon. Donc, voilà, notre petit ami Char. Alors, Char, il a combien? Alors, il valait rien, il valait 650 là. Donc, est-ce qu'il est monté un tout petit peu déjà avec l'annonce de son nom? Alors, on va l'acheter celui-là à 750. Parce qu'à mon avis, il va y en avoir 50 comme ça. Hop, on va le mettre. On va regarder son prix. Mais je pense qu'il va dépasser les 1000. Hein. Il va être à peu près à 1000. Il va avoir pris 350. Et encore, vous voyez, son prix a encore augmenté. Voilà, il est passé à 1002. Hein. Donc, ceux qui avaient à voilà, regarder ce que j'avais mis ce matin, qui l'ont acheté à 650, 700, 750, et vous pouvez le trouver, ben voilà, c'est déjà plutôt pas mal. Hein. À chaque fois, vous allez pouvoir. Les trois joueurs, que ce soit Shaqiri, que ce soit Fellaini ou que ce soit Char, les trois ont quand même gagné pas mal. Et en plus, en faisant de la tech bourrin et même de la tech enchère, vous allez pouvoir en trouver pas mal. Ce soir, essayez d'en profiter un maximum pour bien grimper en crédit. Vraiment, il n'y a rien de plus simple. Boateng, je vous conseille aussi de le mettre à la carte à 86, voilà, dans l'équipe concept, de vous mettre en défense centrale et de le chercher comme ça. Donc, notre petit ami Boateng, il est là. Et de prendre sa carte à 86. Hop. Voilà, il va avoir sa carte à 88. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant de pouvoir le trouver. Vous voyez, à chaque fois, c'est 45 000, hein, le prix le plus haut qu'on peut avoir sur du Boateng. Bon, là, maintenant, c'est 40 000. Et vous allez pouvoir le trouver des fois ben voilà, à 36 000, hein, celui qui va l'acheter. Évidemment, il ne va pas faire énormément de bénéfices, mais à 40 000, ça se vend comme des petits pains. Donc, je vous conseille vraiment de faire de la tech bourrin sur lui ce soir, parce que je pense qu'il va y en avoir pas mal qui vont vouloir vendre. Et pareil, hein, faites de la tech bourrin tout simplement parce qu'il y a énormément de joueurs qui vont vouloir vendre leurs joueurs absolument, parce que vraiment, bah, il y a des joueurs qui sont sympas dans cette eau et qui vont vouloir ouvrir des packs. Et donc pour pouvoir ouvrir des packs, il va falloir essayer de vendre ces joueurs. Et donc bah, sur les joueurs qui sont pas au plus bas de leur fourchette de prix, les joueurs vont essayer de descendre, de descendre, de descendre pour pouvoir essayer de vendre, comme c'était un peu le cas à l'époque. Et donc des fois, il y avait vraiment des incohérences avec des gros chutes de prix. Là, malheureusement, vu qu'il y a une fourchette basse, ben, ils peuvent pas baisser trop leur prix. Il y a une certaine limite. Voilà, mais j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, bon, les posts n'ont pas été créés, je les ai pas encore faits sur Facebook, mais ils vont être créés. Où on va essayer de s'acheter mutuellement les joueurs. Si vous voulez par exemple un Ronaldo, un Messi, bah essayez d'acheter à l'un d'entre nous et n'hésitez pas à mettre les screens quand vous avez fait des échanges. Vous me mettez en copie sur Twitter et moi je retweeterai pour que tous les gens de la communauté, s'il y a quelqu'un qui veut acheter votre joueur comme ça, ça va permettre de les vendre le plus rapidement possible et ça sert à rien d'acheter un joueur à quelqu'un qu'on ne connaît pas, autant essayer d'aider quelqu'un de notre communauté. Voilà, je vous dis à bientôt, c'était Robert 87 000, allez ciao les gars.